Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue ici au stade, au gymnase Daniel Narcisse de la Possession, où vont se disputer les demi-finales du tournoi de handball masculin. À l'affiche très rapidement, car la première demi-finale est partie. À l'affiche d'abord, Mayotte-Seychelles, c'est ce match que vous êtes en train de suivre en direct sur Réunion Première. Elle sera suivie à 18h30 par l'autre demi-finale, Réunion contre Madagascar. En tout cas, on est entré dans le vif de cette première demi-finale. Pour la commenter avec moi, Fred Valliamier, le conseiller technique et sportif de la Ligue Grenadienne de handball. Fred, bonjour. Bonjour, Johnny. Fred, bonjour. Seychelles, Mayotte, avec, on peut le dire, un avantage peut-être sur le papier pour Mayotte, qui joue en bleu. Que par rapport à leurs résultats, actuellement, ils ont le vent en poupe. Hein. Et au niveau de Seychelles, ça va être difficile. Mais bon, ils sont combatifs. Et puis, un match de handball, c'est un match de handball. Et oui, un match de handball, c'est un match de handball. Rien n'est fait sur le papier. C'est une chose, mais sur le terrain, c'est de là que vient la vérité de ce match. Les Seychelles, donc, jouent en rouge et les Maorés jouent en bleu. Alors, deux mots sur cette équipe des Seychelles pour dire que eh bien, les Seychellois ont eu un parcours éliminatoire plutôt chaotique, deux défaites contre le Réunionnais, alors que Mayotte eh bien, a créé la première grosse sensation de ce tournoi masculin en battant notamment Madagascar, Fred. Ben Seychelles, c'est sûr que l'absence des Comores leur a posé un petit peu problème, parce que je pense que contre les Comores, ils auraient eu une équipe de leur niveau. Et ils sont tombés sur la Réunion deux fois, mais j'ai vu des progrès sur les deux matchs, parce qu'ils ont perdu moins de ballons, ils ont marqué plus de buts. Donc je veux dire, c'est au travers de ces matchs-là que les équipes progressent. Et on a vu le premier but inscrit par les Seychellois. Voilà ce tir aux 7 mètres et les Seychelles qui mènent 1-0 ici contre Mayotte. Un but sur contre-attaque signé du numéro 13, me semble-t-il, donc des Seychelles en l'occurrence. Roger à Bristol, voilà, c'est plutôt bien parti pour les Seychellois. C'est vrai qu'ils ont fait une première partie de tournoi pas terrible, mais bon, nous sommes en demi-finale et en demi-finale, l'essentiel, mon cher Fred, c'est de gagner. Ben surtout de mettre en place le projet qu'ils ont créé. Il y a des choses intéressantes que je vois actuellement. Il y a des départs déliés. Bon, apparemment, ils ont bien préparé ce match. Et la preuve, il y a un deuxième but du numéro 14 sur un beau décalage, ce qui permet aux Seychelles de mener 2-0. Seychelles qui marque un deuxième but grâce à Michel Youpa. Et un petit peu à la surprise générale, on regarde le tableau d'affichage. Seychelles 2, Mayotte 0. Attention pour les Maorés de ne pas laisser les Seychellois prendre trop haut d'avance. Voilà, tentative de combinaison avec une passe dans le dos du meneur Maoré, bien défendu par les Seychellois. Attention avec l'ailier qui déborde et qui tente un lob et ça marque. Les Seychelles, les Maorés, premier but des Maorés est signé Moussa Daniel. 2-1 après 4 minutes de jeu désormais. Johnny, c'est un chabala. Au handball, on appelle ça un chabala. On fait passer la main sous le ballon, puis donne un peu d'effet et qui a permis le lob. Donc c'est un très beau but. Et c'est vrai que dans ce mouvement, dans ce geste technique, tout est, comme on dit, dans le poignet, le coup de poignet. Exactement, c'est bien. Je dis. Je vois que le handball n'a plus de secret, moi, déjà. On en a toujours à apprendre, hein, mon cher Fred. Attention, coup franc pour les Seychellois. Le tir de Roberto Ester sur le poteau. Contre-attaque immédiate menée par les Maorés. Et voilà un superbe but de Michel Ducasse. Mayotte qui égalise après 4 minutes de jeu maintenant. Alors, Michabala, Milob ou pareil, même geste technique. Là, c'est on a bien vu ralenti le coup de poignet quand même. Voilà. Deux buts partout entre les Seychellois et les Maorés. Si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien, sachez que vous êtes en train de vivre en direct sur Réunion Première, la première demi-finale du tournoi de handball masculin qui oppose donc les Seychellois en rouge et les Maorés en bleu. Superbe extension de l'arrière Seychellois et bel arrêt du gardien Maoré, en l'occurrence Mousslim Assadila. Et les Maorés qui repartent donc à l'attaque. Encore une belle tentative et un bel arrêt du gardien Seychellois, mais une faute au préalable. Faute de la défense Seychelloise. Et ce sera un jet de 7 mètres pour Mayotte.
Double sanction sur cette action pour les Seychellois. Oui, ils ont très bien joué. Ils ont lancé un mouvement d'arrière, ce qu'on appelle une rotation d'arrière. Et au même moment, ben, y a le pivot qui joue dans les espaces libres et qui appelle le ballon. Égé de 7 mètres transformé par Chico Soufou pour Mayotte qui mène désormais 3-2. Voilà les Maorés qui ont eu un petit temps pour se mettre dans cette demi-finale. Ils ont été menés 2-0 désormais. Ils sont revenus à hauteur, ils sont même passés devant grâce à ce jet de 7 mètres réussi par Soufou. Encore une belle tentative séchelloise et un bel arrêt du gardien. Deuxième arrêt d'affilée pour le gardien Maoré. Ben c'est un gardien qui a joué longtemps à Saint-Benoît, à la GSP. Hein. Il était venu à La Réunion, il a fait un séjour avec Fernand. Et aujourd'hui, il garde les portes de la sélection de handball de Mayotte. Et encore un très beau but de Maoré, signé Daniel Moussa. Très vif, très rapide sur son élan, sur son aile, pardon. Et là, qui réussit encore un superbe mouvement aux dépens du gardien séchellois. Ça fait 4-2 désormais pour les Maorés. Ils sont plutôt bien lancés après un petit temps de... Allez, un petit temps à rentrer dans ce match, dans cette demi-finale, Fred. Oui, c'est sûr que ils ont surpris un petit peu la défense maoraise sur les premières actions. Mais actuellement, Mayotte défend en 1-5. Ça veut dire qu'il y a un joueur qui gêne la circulation du ballon et des arrières. Et ça commence à poser problème aux Seychellois. Avec un tir 9 mètres détourné, ce sera corner. Nous sommes également avec nous, hein, toujours fidèles à l'équipe de Patrick Niarlo et bien Pascal Taillamé au plus près des handballeurs en bas de là, en bas de juste près du terrain. Oui Pascal. Oui, deux. Bonjour. Bonjour Johnny, bonjour Fred. Deux petites informations. La première pour vous dire que le banc maoré est beaucoup plus tendu que le banc séchellois, c'est la première chose, avec un entraîneur qui ne cesse de nous l'avoir. Et la deuxième chose, message à Fred, puisque Fernand Chancune qui vient d'arriver à la question de La Réunion recherche Fred Valiamé désespérément, dont je lui ai dit qu'il était au commentaire. Merci de lui avoir en tout cas transmis l'information. Et on revient dans cette première demi-finale avec un coup franc pour les Seychellois. Deux hommes dans le mur et un numéro 14. Donc finalement, ce sera l'ailier qui tente de passer la défense maoraise. Mais c'est compliqué là. Les Maorais, ils ont commencé à tendre le rideau défensif. Nouveau coup franc pour les Seychellois. Bonne relation entre l'arrière et son pivot et derrière encore un très bel arrêt de Mousseline, le portier maoré. Mayotte maintenant en position offensive avec à la main de cette équipe maoraise ce fameux numéro 12. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements dans cette équipe maoraise. Voilà, on construit, on organise et puis on va au but. Et ça fait un nouveau but, encore une superbe action en fait. Ben c'est sûr que les Seychellois ont des problèmes en défense parce qu'ils attendent aussi mettre. Et à mon avis, ce serait peut-être bien qu'ils aillent chercher un peu les tireurs maorés pour ne pas subir encore ces mouvements perpétuels des arrières. On a bien vu qu'il y a de la préparation côté maoré. Ça prend son temps et dès que la faille s'ouvre, bien on entre dedans, on percute et on marque. Ben c'est une équipe qui a travaillé, ils ont fait une préparation en métropole, ils ont envie de venir montrer aux Réunionnais que ben, Mayotte progresse au niveau du handball et je crois qu'ils sont sur la bonne voie. Hein. Et les Seychellois qui viennent de réduire le score grâce à Luther de Amblavani. Le score est désormais de 5-3 pour les Maorés. On pensait que le début de match aurait pu être compliqué pour les Seychellois, mais pour l'instant, ils y sont dans cette demi-finale. Et c'est tant mieux pour le spectacle et pour le suspense également. Allez, comme vous voyez, cette grosse flaque de soleil, j'ai envie de dire, sur le terrain. Nous sommes bien en milieu d'après-midi. Ça se joue très tôt, les matchs de handball ici. Et il fait très chaud également dans ce gymnase Daniel Narcisse. Il y a de l'ambiance, mais également... beaucoup de chaleur qui se dégage de ce gymnase, mon cher Fred. Ça rajoute à l'ambiance, ça rajoute... Hier, on avait droit au froid, il faisait des frais hier. Et aujourd'hui, on est à La Réunion. Hein.
C'est notre hiver à nous où il fait 25, 26 degrés, comme il peut faire 21, 22. Et bon. Oui. Et pour revenir au round, on a eu encore un très beau but, j'ai une très bonne combinaison. Et je crois que les Seychellois subissent trop en défense. Il faut qu'ils arrivent à poser quelques problèmes aux Maorés sur le plan défensif. Ouais, comme sur cette action-là. Alors il y a eu but et en même temps une faute de la défense. Le numéro 13, Maoré, sera expulsé, exclu donc 2 minutes, alors que le but Seychellois a été inscrit par Dave Bonlam. Le score après 11 minutes de jeu, il est de 6 à 4 pour les Maorés face aux Seychellois. Et c'est une demi-finale, mon cher Fred, quand même assez disputée, assez serrée, contrairement à ce qui se disait. C'est un peu ce que je te disais, rien n'est gagné d'avance. Je voulais juste faire une petite précision, vous n'oubliez pas les des arbitres qui sont réunionnais. Effectivement, c'est la meilleure paire locale. Voilà, actuellement ils font un très bon tournoi. Et j'espère que ça va entraîner des envies chez nos jeunes arbitres. On va les citer, nos arbitres, Michel Zitt et Frédéric Tazard. Voilà donc, ils constituent la meilleure paire d'arbitres réunionnais. Bonne combinaison séchelloise, mais la défense Maurez faisait très bonne garde. Ce sera quand même un coup franc pour les Seychellois. Jouer très rapidement, trop rapidement. Monsieur Frédéric Tazard, l'un des arbitres d'ailleurs, fait rejouer ce coup franc pour les Seychellois. Avec Roberto Ester. Roberto Ester qui cherche son arrière. Il joue avec son ailier. Ah, il est grand et encore une très bonne combinaison, très bonne relation entre le numéro 8 et son grand arrière qui s'est replacé au poste de pivot. Et ça fait but pour les Seychellois, inscrit par Michel Youpa. Pour l'instant, on voit la problématique de l'équipe de Seychelles. C'est qu'en attaque, ils arrivent à trouver des solutions. Mais malheureusement, sur chaque attaque maroise, elle encaisse des buts. Donc je veux dire que si elles arrivent à défendre un peu mieux, je pense que c'est un match qui pourrait encore aller un petit peu plus loin dans l'incertitude du résultat. Un jet de 7 mètres pour Mayotte après cette percussion du très remuant Iben Daniel. La défense séchelloise est allée à la faute et ce sera un jet de 7 mètres pour Mayotte. Il sera exécuté par Chico Soufou face au deuxième gardien séchellois qui est entré en cours de jeu. Un tir qui est allé sous la barre transversale du but séchellois. Et voilà Mayotte qui prend les devants avec ce nouveau but de Soufou Chico. Le score est maintenant de 7 à 5. 7 à 5 en faveur des Maorés. Alors l'un des arbitres, à savoir M. Zitt, interrompt le match car il fait intervenir les jeunes Sierpillero. Surtout ne pas prendre de risque sur cette surface, ça glisse facilement, ça peut être néfaste aux joueurs, donc surtout ne pas prendre de risque. On arrête tranquillement le match, on essuie et on repart. C'est sûr que c'est assez dangereux quand c'est glissant. Il faut souligner aussi la participation du club de la possession dans ce tournoi de handball. On a vu beaucoup de bénévoles de ce club et on tient nous à la Ligue pour les remercier de leur investissement sur ce tournoi. Et les Seychellois, attention, il faut aller au but maintenant. On frappe un tir donc de l'arrière séchellois, bien stoppé par le portier qui a tenté une contre-attaque et un bon retour défensif du Maoré. Alors qu'un joueur séchellois est resté au sol, visiblement une grimace de douleur, interruption du match. Eh bien, on va en profiter, mon cher Fred, pour donner l'info qui concerne le tournoi féminin. On connaît maintenant l'affiche de la grande finale. Ce sera, je vous laisse le soin de le dire. La Réunion qui a battu Madagascar et Mayotte qui a surpris tout son monde en amenant ses filles en finale. Eh oui, c'est une grosse surprise. Peut-être pas de retrouver les Réunionnaises en finale, mais Réunion contre Mayotte, c'était vraiment pas l'affiche prévue. Hein. On pensait que ça aurait été Réunion-Mada. Alors, juste rappeler les deux résultats des demi-finales ce matin. Les Réunionnaises donc ont dominé Madagascar, vous l'avez dit, sur le score de 30 à 17. Et les Maoraises ont battu Maurice 23 à 15. Et pour faciliter, mon cher Fred,
la compréhension donc de nos téléspectateurs. Il faut savoir que ce n'était pas des demi-finales croisées, mais bien des demi-finales tirées au sort. Oui, c'est sûr que l'absence des Comoriens, ben ça pose problème. Et ça a permis peut-être aussi de voir Mayotte jouer son Vatou lors du match contre Madagascar. Voilà, en tout cas, ça a l'air un peu sérieux là pour notre handballeur Mauré qui reste seul. On a fait appel. Séchelois. Le Séchelois, pardon, décidément, j'ai un peu de mal cet après-midi. Séchelois qui est à terre. On a fait appel aux hommes de la sécurité et à la civière. C'est Roger Bristol. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas si on a l'image au ralenti, si c'était un choc avec l'adversaire, mais visiblement, ça a l'air assez sérieux. Alors on espère que voilà, il va relever ses. Et puis peut-être aussi qu'actuellement, au niveau des Seychelles, ils n'ont pas l'habitude d'avoir autant de matchs en si peu de jours. Et puis ben, ils ont tellement envie de bien faire. Physiquement, physiologiquement, ils ont du mal. Et souvent, c'est des petites blessures comme ça qui font que. Voilà, une mauvaise réception. Ah bon, oui, effectivement. Il y a une mauvaise réception en l'air. Bon, il y a une petite poussée et avec une mauvaise retombée. Oui, Pascal. Oui, je vous confirme, c'est effectivement grave pour le joueur séchellois qui s'en va directement, je pense, là, au niveau des urgences, peut-être, puisque, ou dans les vestiaires. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sa cheville droite, elle est bien, bien enflée. Je pense que là, c'est terminé pour ce joueur, en tout cas pour ce match. Roger Bristol, le séchellois, donc sorti, évacué. Sur blessure, les Seychellois qui repartent à l'attaque. Attention, il y a du grabuge là dans cette défense, mais encore une fois, un bel arrêt sans trop de soucis pour Mousseline, le gardien maoré. Et Mayotte qui repart. Un tir des 9 mètres, c'est bien contré par la défense séchelloise. Et les Seychelles qui, doucement mais sûrement. Ben, ils jouent intelligemment, Johnny, dans le sens où. Ils essaient de maîtriser les ballons, de ne pas tomber dans des actions trop rapides, parce qu'ils savent très bien qu'à ce jeu-là, Mayotte va les dominer. Hein. Donc là, je trouve que c'est intelligent, regarde. C'est vraiment une action très intéressante. C'est une très belle tentative. Ce qu'on appelle une induction. Hein. Il joue dans le dos du défenseur avancé, ce qui permet d'avoir une ouverture vers les buts, et qui se termine en plus par un but. Bon, c'est limite hein, pour peut-être la puisonne, mais bon, c'est quand même un but validé par le numéro 12, Séchellois, à savoir le roi Laure. Et encore une superbe action là. Les Maorés avec ce but superbe, cette action individuelle. Donc, on va la revoir au ralenti. Il est magnifique là, il perfore la défense séchelloise pour aller donner le 8e but. Il s'agit de Balki Liadj. Très très percutant les Maoris en tout cas sur ce début de match. Je sais pas si tu as fait la remarque, mais actuellement il y a le demi-centre qui joue à Limoges qui n'est pas dans le groupe. Peut-être que son entraîneur l'a mis au repos pour qu'il n'y ait pas de blessure demain pour la finale. Alors il y a des garçons qu'on connaît très très bien, donc vous allez voir, il est entré là le numéro 10, donc le capitaine Ali Miniadji Salimou qui a joué. Une période dans l'équipe de la Cressonnière qu'on connaît très bien. Et puis un autre. C'est son frère. C'est Zach. Zach, voilà. Donc, Zach qui a joué à la Cressonnière. Ali Miniadji, effectivement. Voilà. Et qui était de l'équipe mahoraise en 2011 aux Seychelles. Et lui, puis un autre. Lui, c'est Soldat. Il a comme prénom Soldat. Ah, voilà, on va tout apprendre avec Fred Valiamé cet après-midi, notre consultant, alors que le grand Seychellois, le grand Michel Youpa, il va de son 3e but personnel. Et regardez le score après 15 minutes de jeu, mon cher Fred. C'est serré, c'est très serré. 8-7, un but d'avance pour les Maorés. Et deux maintenant avec ce but magnifique signé Daniel. Daniel Benhib. Daniel pour les Seychellois, il est monté très très haut là en tout cas. Oui. Physiquement, athlétiquement, les Maorés, c'est pas mal jeune, non plus. Un jeune Maoré qui promet. Hein. Une très belle détente, des qualités physiques intéressantes. Il défend en plus. Non, c'est. Il y a du beau monde dans cette équipe. Et ça se rend but pour but, puisque les Seychelles, avec son numéro 12, Laure, les Rois, viennent inscrire un 8e but. Le score toujours serré, 8-9, toujours en faveur donc des Maoris. Si vous nous rejoignez, les Maoris évoluent en bleu et les Seychellois
en rouge. Nous sommes dans la première demi-finale du tournoi de handball masculin. Il est monté le numéro 9 au 9 mètres. Et il marque toute la puissance de surtout Edja sur cette action pour donner deux buts d'avance aux Maorés. En tout cas, en position offensive, les attaques sont, comme on disait tout à l'heure, bien préparées, bien amenées, hein, et bien finies aussi. Et c'est sûr que ça ne défend pas, hein, même des deux côtés, ça ne défend pas. Il y a trop de facilité pour aller marquer des buts. Bon, ça, pour le spectacle, c'est très bien, je veux dire, parce qu'on voit bien qu'il y a une différence de niveau entre les deux équipes. Mais ça s'accroche, ça joue. Et là, on a Bavou, et voilà. Et voilà le fameux Bavou de son vrai nom, Loutoufi Mohamadi, qu'on connaît très bien à La Réunion, hein, superbe gaucher. Il s'est fait connaître ici à la JSB, à Saint-Benoît, à la JSB, avant de partir faire une belle carrière dans le championnat. Très belle national. Carrière. C'est quelqu'un qui est très reconnu dans le monde du handball professionnel, qui a fait vraiment... carrière exceptionnelle, et on le salue bien parce qu'on sait très bien qu'il va revenir à Mayotte, il va aider au développement de Mayotte, et c'est très bien pour le handball maoré. Loutoufi Mohamadi dit Bavou. Attention, les Seychelles en attaque, bonne défense des Maorés. Les Seychellois qui s'appuient énormément sur le grand Michel Yupa, là, qui doit faire, allez, on va dire 1m85, 1m90, ça aussi c'était pas mal. Belle incursion de l'arrière Seychellois et encore un bel arrêt de Mousselim Le Portier. Et sur la contre-attaque, c'est Alimini Hadji qui marque le 12e but pour les Maorés. Ça va aussi très vite. Bon gardien. Une fois que c'est arrêté, eh bien, la relance immédiate et la contre-attaque bien conclue. C'est bien. Il y a eu un temps mort demandé. 4 buts d'écart. Le coach des Seychelles a voulu arrêter un petit peu l'hémorragie. Ça, c'est une très bonne décision. Alors forcément, le coach Seychellois, on rappelle, c'est alors, il y a un double coach. Celui qu'on voit parler, alors on ne sait pas comment il s'exprime, on va peut-être l'entendre, car c'est un Allemand. C'est un Allemand, il s'appelle Loak Wolfgang. Et son adjoint, eh bien, c'est voilà, Danny Filoé maintenant qui a pris la parole. Danny Filoé qui est son adjoint. Un vrai Seychellois en plus. Ah oui, Danny Filoé, on connaissait le chanteur, David Filoé, très connu même ici. Il est un peu chanté aussi, surtout le samedi soir. Voilà, des Seychellois visiblement pas décidés à laisser l'affaire filer sous leur nez comme ça, et surtout, mais comme vous le disiez mon cher Fred, il faut qu'ils resserrent un peu leur défense. Johnny ? Oui, Pascal. Oui, je peux vous dire par rapport à notre ami Danny Filoé, ce que j'ai pu comprendre, c'est nous mettre la main en l'air. Nous mettre la main en l'air, a priori, il n'est pas satisfait de la défense, de sa défense, qui laisse un peu trop les Maorés entrer, on va dire, comme dans du beurre. Voilà, on en revient, Fred, à ces soucis de défense qu'ils ont les Maorés. Ben, les Seychellois, pardon. Ils ont un problème culturel, je veux dire, défendre, c'est pas leur tasse de thé. Soit ils font des grosses fautes, mais ils n'ont pas une culture encore, pour l'instant, hein, parce que le handball, le Seychelles est très jeune. C'est un pays qui était sous l'Empire britannique. Hein. Ouais, tout à et fait. On sait très bien que le handball dans l'Empire britannique, il n'existe pas beaucoup. On va dire mais que c'est presque inexistant. Nous, à La Réunion, on a su le faire. On a su mettre en place la Fédération Seychelloise. On les a aidés. Et aujourd'hui, on est fiers de voir une équipe seychelloise de handball. En tout cas... Les consignes du coach viennent d'être suivies des faits, puisqu'on a vu une bonne défense de Michel Yupa sur Bavou, qui avait tenté de le déborder, mais il a bien été contenu, notre ami Bavou. Et Mayotte toujours à l'attaque avec Alimini Hadji. Encore une fois, il subit, il laisse les Maorés mettre en place leur système de jeu. Et après, ils sont en difficulté parce que. Ah, ben comment ? Ils ont bien récupéré une balle. Bon, c'est vrai qu'il y avait aussi une mauvaise passe du Maoré. Hein. En tout cas, ils étaient aux aguets, voilà. Les Seychellois, sur cette attaque maoraise. Et les Seychellois, on les retrouve maintenant en position offensive. Attention avec Charpenet maintenant. Charpenet pour son numéro 10. Là, il a tenté une passe retournée. Ça défend pas trop mal côté Maoré. Et les Seychellois, ils éprouvent des difficultés là à passer ce rideau bleu.
Alors des deux côtés, on semble avoir mis un petit peu de fer au niveau de la défense. Ah, c'est bien joué, Charpenet, encore un arrêt de Mousseline. Et la contre-attaque mahoraise avec Ali Miniadji Bavou. Magnifique but. Toute la vista et toute la technicité de Bavou sur ce but. Exactement, exactement. Et malgré son âge avancé, il a des qualités physiques extraordinaires. Et puis surtout, c'est un bon gamin. Bon, il est gentil comme tout. Et il aime le handball. Il fait évoluer le handball à Mayotte. Et encore une fois, chapeau, monsieur Bavou. Le Toufi, Mohamadi et Mayotte mènent dans cette première demi-finale 13 à 8 contre les Seychellois. On joue depuis 21 minutes de jeu bientôt. Et pour l'instant, eh bien, la bonne affaire pour les Mahorais. Mais on est loin, très loin de la fin de cette première demi-finale qui sera suivie, on vous le rappelle, de l'autre demi-finale. Réunion contre Madagascar. Voilà, on a fait encore appel au Serpillero. Et pendant ce temps, regardez dans la défense mahoraise, eh bien, on parle, on discute. On remet les choses à plat. On réinstalle les schémas. Exactement. On parle, on discute. C'est ce qui fait souvent un petit peu dans le système défensif parce qu'il y a de la communication. Et un bel arrêt du gardien séchellois. Voilà, c'est ça. C'est ces actions-là qu'il faut tenter. Il faut. Ah, décidément. Décidément, ils ont du mal. Ils commencent à nous faire un complexe Mousseline, les Seychellois. Ça fait une série d'arrêts là, enregistrés par réussi par le portier mahorais. Et il ne faudrait pas, mon cher Fred, que les Seychellois, eh bien justement, nous fassent un complexe là face à ce gardien. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, Johnny, mais tous les tirs que le gardien a arrêtés, c'est au niveau de ses bras. Donc obligatoirement, nous on dit dans la formation du jeune joueur qu'il ne faut jamais tirer au niveau des bras d'un gardien. Voilà. Il faut toujours soit tirer au sol, soit tirer dans les lucarnes. Et cette fois-ci, eh bien, il a tiré au sol et c'est un but. Voilà, Dave Bonlam vient de prendre un Mousseline à défaut et ramener les Seychelles à 4 buts maintenant des Mahorais. Le score après 22 minutes de jeu, attention. Avec cette intervention, il y a une faute donc sur l'arrière Mahorais. J'ai de 7 mètres, double sanction, j'ai de 7 mètres pour Mayotte et carton jaune. Avertissement pour le grand. C'est plus de la maladresse que de l'envie de faire mal. Hein. C'est vraiment. Il était pris de vitesse et puis ben, il n'y a aucune intention de faire mal. Quoi. C'est tout ça qui est bien dans ce type de match. Il ne faut pas qu'il y ait de blessures. Et une nouvelle fois, Chico Soufou trompe le portier seychellois. Sur cet exercice du pénalty. Voilà, il prend tout son temps et il place bien son ballon entre le genou et la cheville. Souvent c'est là c'est plus difficile à faire des arrêts parce que on n'a pas assez d'espace pour contrer le ballon. 14 à 9 pour Mayotte dans cette première demi-finale. Les Seychellois sont en attaque. Et avertissement pour Charpenet, pour Mayotte, pour une défense un peu trop virile, a estimé l'arbitre M. Zitt. Et les Seychellois qui vont poursuivre en attaque. Avec l'or. Ah, on a essayé encore de trouver le grand Michel Diopa, mais cette fois-ci la défense mahoraise a fait bonne garde. Et ça repart. Avec Ali Miniadji. Ah, dommage. Mettre un peu trop enlevé le tir du robuste numéro 9, robuste capitaine. Ali Miniadji. Et c'est chez lui qui marque un petit peu le pas, mais surtout pas. Il ne faut surtout pas qu'ils relâchent leur pression et laisser les balles repartir, même que bon, il y a quelques petites imprécisions. Et les Mahorais sont tombés un petit peu dans le jeu des Seychellois parce qu'ils ont du mal à accélérer le jeu, ils jouent facile en attaque placée.
Alors c'est pas le jeu de Mahoré, voilà. Là c'est le jeu de Mahoré, où ils partent vraiment à tout vent vers les buts. Et leur projection en avant leur permet souvent de manquer des buts sur manquer de balles, sur contre-attaque. Avec le grand numéro 2, Baki Liadji, qui marque encore là un superbe but. Le gardien séchilois n'y peut absolument rien. 15 à 9 désormais, à 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. 15 à 9 en faveur des Mahorais. Encore une bonne relation à arrière, ailier, mais encore une fois, Mouslim était là pour stopper le tir du Seychellois. Il nous fait vraiment une bonne première mi-temps, Mouslim, le gardien Mahorais. Et Mayotte repart avec Aliminiadji. Voilà, fixation, petit jeu. Et là, il va libérer un arrière de l'autre côté. Voilà. Alors, quand bien même, on peut s'apercevoir qu'il est un peu entré comme dans du beurre dans cette défense séchelloise. Oui, celui qui a un point de fixation quelque part, tous les Seychellois ont tendance sur le ballon et à libérer des intervalles qui permet à l'opposé d'avoir des espaces à attaquer. C'est un petit peu leur problème actuellement. Quoi. Et ce numéro 2, Mahoré, Baki Liadji, nous fait quand même très très bonne impression. Un garçon avec une belle amplitude, très belle extension. Oui, super qualité physique. Et puis il joue juste, hein, il court juste dans l'intervalle. Il laisse le travail de fixation, ce qui lui permet d'avoir, de prendre l'information et puis d'aller au but. Et puis avec sa vitesse et ses qualités physiques, souvent ça fait la différence. Alors on va peut-être les voir tout à l'heure, en tout cas dans les tribunes, il y a les supporters maoris qui lui mettent une ambiance de feu. À fond, les supporters maoris d'ailleurs, leur équipe, d'autant plus que eh bien, Mayotte est en passe de faire un doublé en finale, hein, puisque les filles, on vous le rappelle, les maoraises sont déjà en finale. Et pourquoi pas les garçons dans la foulée. Pour l'instant, ça prend bien le chemin, mais on est encore loin de la fin de cette première demi-finale. Une expulsion côté Mahoré, c'est le numéro 3, Vincent Charpenet. Et ça donne jet de 7 mètres pour le numéro 10, séchellois Roberto Esther. Très bien. Cette fois-ci, prend Mouslim à défaut. Contre-pied, ouais, exactement. Il a bien fixé le gardien de but d'un côté pour mettre le ballon de l'autre côté. Ce qu'on demande souvent aux joueurs de faire. C'est le premier travail de fixation qui est important. À 4 minutes de la fin de cette première mi-temps, Mayotte 15, Seychelles 10. Nous sommes dans la première demi-finale du tournoi de handball masculin. Si vous nous rejoignez avec, encore une fois, regardez, c'est bien préparé. Aliminiadji et bel arrêt du gardien séchellois qui enclenche dans la foulée une contre-attaque. Et cette fois-ci, ça va au fond. Très belle attaque, très bien menée cette fois-ci. Voilà, ils ont profité de leur surnombre offensif. Actuellement, les Maoris sont à 5. Il y en a 2 qui reviennent en repli défensif. Eux, ils étaient à 3, surnombre offensif. Et voilà, ça se termine par un joli but. Ça, c'est une action vraiment rondement menée. 11 à 15 avec le dernier but séchellois inscrit par Laure Leroy. Vous, dans ses œuvres, serré de près, visiblement. Le garçon n'est pas inconnu des Seychellois, on l'a vu. Hein. Oh là là, il est passé, voilà. But un peu comme à la parade du numéro 12. Mais bon, c'est vrai qu'il a été un peu naïf sur cette action de Seychellois. C'est vraiment bien réalisé. Hein. Il a pris, comme on dit, un bon vent. Exactement. Hein. Il joue bien la fixation intérieure pour amener le défenseur. Et puis il change de direction, ce qui met un petit peu le défenseur dans le vent, comment dire. Et oui, l'auteur de ce 1 contre 1, c'était Issoufou Mdahin. Avec des qualités d'appui super intéressantes, hein. Il est bien assis sur ses jambes. Avec un centre de gravité très bas, qui souvent, au handball, ça sert. Quoi. Très belle équipe mahoraise, en tout cas, dans cette première mi-temps, ce qu'elle nous montre. Allez les Seychelles qui vont tenter de revenir un peu, de réduire un peu le score. Peut-être sur cette offensive, mais c'était un peu téléphoné. La défense mahoraise est bien intervenue. Attention Bristol, malheureusement but refusé, car le pied était posé en zone. Exactement.
Regardez, ils perdent pas le temps les Maorés avec Charbonnet là, cette passe fusée du numéro 12 Issoufou pour Charbonnet qui donne un peu plus d'ampleur à l'avance des Maorés maintenant qui mène 17 à 11 pour les Maorés dans cette première demi-finale contre les Seychellois. 6 buts d'écart. Ça commence à faire beaucoup, à moins que Michel Moupa nous fasse démentir. Voilà, un tir un peu trop enlevé. Et trop rapide ce tour, hein. Il n'y a aucune préparation. Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils tombent dans ce jeu-là parce qu'ils vont être en difficulté. Ils vont perdre des ballons. Ils vont donner plus de ballons aux Maorés. Donc il faut surtout qu'ils gardent des ballons, qu'ils ne jouent pas dans le même rythme que les Maorés. Et la fin de cette première mi-temps est compliquée, difficile même pour les Seychellois. Là, ils viennent prendre un but d'Ali Minadji sur l'action. Le grand Michel Youpa a écopé de 2 minutes d'exclusion. Donc, ils vont finir ce match en infériorité. Il ne faudrait pas que... Ils sont à 4, Johnny. Hein, à 4 même, oui. Deux expulsions, coup sur coup. Il ne faudrait pas qu'à la fin de cette première mi-temps, l'ardoise soit... trop importante, attention, et ça va repartir avec les Maorés avec Issoufou. Issoufou avec Ali Minadji. Voilà, les Maorés jouent à leur rythme, hein. Ils placent, ils sont en surnombre offensif, ils préparent leur attaque. Ça montre bien que c'est une équipe qui travaille, hein, qui ne joue pas n'importe comment. Ah, Charbonnet, il s'est fait surprendre, à mon avis. Voilà, il était un peu spectateur de l'action. Dommage, parce que c'était rondement mené. Normalement, il avait gagné sa position. Ça devrait permettre, ça aurait pu lui permettre de recevoir un beau ballon pour aller marquer. Très fantasque, en tout cas, le meneur, le demi-centre maoré, là, le dénommé Issoufou, là, avec cette passe aveugle. Et les Seychellois qui confondent vitesse et précipitation. Attention, il reste 5 secondes dans cette première mi-temps. Surtout ne pas prendre sur cette action avec Issoufou qui décale. Vous, la passe était imprécise. Et c'est la fin de cette première mi-temps. Avec 7 points d'avance pour les Maorés. Le score 18 à 11. 18 à 11 avec côté Maorés, le meilleur marqueur, c'est le numéro 8, Chico Issoufou. Johnny. Allez, une première réaction avec Pascal Taillamé, l'entraîneur maoré. Oui, avec le coach de Mayotte. Alors, coach, satisfait de votre première période de vos joueurs? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout satisfait. Mes joueurs sont en train de jouer à l'envers. Ils ont la tête ailleurs. Ils ont la tête ailleurs. Il ne faut pas penser à demain. Il faut se passer d'abord aujourd'hui. Donc, on ne fait pas du tout notre jeu. On est en train de jouer comme au niveau de l'adversaire, en fait. Donc, non, je ne suis pas du tout satisfait. On va remettre les choses à... dans le bon sens tout de suite dans le vestiaire. Quel est votre discours justement à la mi-temps? Ah mais non, tout simplement, je vous demande juste que les joueurs soient concentrés et qu'ils respectent l'adversaire et qu'ils jouent d'abord le match avant de le gagner. Voilà, c'est tout simplement ça. Merci Pascal. En tout cas, surprenant comme réaction de la part d'un coach qui mène de 7 buts. Un peu surprenant peut-être, Fred Vanier, mais non? Non, pas du tout. Moi, je connais bien Alic. Hein. C'est un entraîneur exigeant qui a des choses à prouver dans son pays. Et il n'a pas envie aujourd'hui de voir des Maorés sur le terrain qui sont suffisants, qui ne respectent pas l'adversaire. C'est des valeurs à faire passer et je trouve normal qu'il se place dans cette position-là. La rigueur façon maoraise, Pascal, qu'on retrouve avec Dany Filoé, l'entraîneur adjoint séchellois. Oui, avec l'un des entraîneurs séchellois. Alors Dany, un petit mot sur la pression de vos joueurs. En fin de partie, là, vous lâchez un peu prise, mais est-ce que vous êtes globalement satisfait de vos joueurs? Oui, moi, très satisfait avec la qualité des joueurs que j'ai. Avec les joueurs, un danger des armes, mais très satisfait avec les joueurs. Peut-être deuxième half ne va répondre comme la première mi-temps. Alors, vous êtes quand même 11 à 18, là, vous pensez que c'est possible encore pour vos couleurs? Oui, il y a toujours chance pour nous remonter un peu là, oui. Un petit mot sur le blessé, là, c'est aussi un coup dur, vous perdez un joueur d'expérience également au milieu de la première période. Oui, là, il est parti à l'hôpital, je pense que ça va régler, mais souvent, nous allons continuer avec l'équipe qui là. Merci. Merci Pascal et merci à Dany Filoé qui ne perd surtout pas espoir dans ce match. Certes, ils sont menés de 7 buts à la mi-temps, mais les Seychellois y croient encore et c'est bien d'y croire encore. Ah ben c'est sûr que un entraîneur il aimerait que les joueurs soient au plus près de la victoire. Hein.
et il est encore dans cet état d'esprit-là, ce qui prouve très bien que Dani, c'est quelqu'un qui aussi a envie de faire évoluer son groupe. Alors on voit les plus beaux buts de cette première mi-temps. Celui-là, côté Seychellois, il était pas mal presque. Allez, on va dire un demi-kung-fu. Et là, on voit le grand Michel Youpa à l'œuvre avec ce qu'on appelle un shanker. Il a réussi, fort bien réussi. Ah, ils ont réussi quand même pas mal de belles choses, hein, les Seychellois, même si à la fin de cette première mi-temps, ils se sont laissés un peu déborder. Vous ne vous laissez pas, s'il vous plaît, mon cher Fred, disperser. En tout cas, voilà, les Mahorais, notamment ce numéro 2 qui a été très, très, très bon. Comme toi, Johnny, j'apprécie un petit peu ces belles actions. Hein. Et tout ce qui se passe autour de vous aussi. Ben, le handball, c'est une grande famille. Hein. On regarde les matchs, les spectateurs. Non, c'est vraiment un match où on n'attendait pas les Seychellois avec ce niveau de jeu. Hein. Ils ont progressé ces 4 dernières années. Et je crois qu'il y a une volonté de vraiment implanter le handball aux Seychelles. Et ils ont fait venir des gens, des cadres techniques. La fédération seychelloise développe un maximum le handball. Et bon, ben, il faudra du temps encore pour fixer le niveau des Mahorais et des Réunionnais. Bon, on ne le voit pas en antenne, mais en tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, les supporters Mahorais mettent une belle ambiance. On va essayer d'avoir un petit coup de caméra pendant cet intermède sur... les supporters Mahorais, hein, les plus heureux certainement. On rappelle, hein, l'équipe des filles est en finale et les garçons plutôt bien partis pour le faire. Mais ce handball Mahorais, il a bien progressé, mon cher Fred Valiamé. C'est vrai qu'on parlait de ceux qui sont passés dans le championnat réunionnais. Il y a ceux qui sont partis en métropole, qui sont revenus à l'image de donc Lutoufi Bavou. Mais c'est vrai que ces dernières années... Le handball Mahorais a sensiblement et bien progressé. Bah, écoute, au niveau de leur ligue, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, ils ont plus de 2500, près de 2500 licenciés. C'est vrai qu'il y a un gros problème d'infrastructure. Hein. À Mayotte, il n'y a que 2 gymnases. Et je pense que c'est aussi un frein à leur évolution. Mais bon, peut-être que, et ça on le souhaite de tout notre cœur, le fait qu'ils soient devenus des parlements français, ils vont avoir les structures pour les collèges, pour les lycées. Et nous, ben, au niveau du handball, on aura des stades, des gymnases. Un peu. Moi, quand je pars à Mayotte sur les formations de cadre, ça me rappelle un petit peu la Réunion il y a vraiment à ses débuts, où on jouait sur du bitume. Mais il faut voir le monde. Hein. Sur les finales régionales à Mayotte, il y a 1000 personnes qui viennent voir des matchs de Tsingoni, de Mamoudzou. C'est vraiment extraordinaire le handball à Mayotte. Hein. Et c'est un peu logique aujourd'hui de les voir placer leurs 2 équipes en finale des Jeux des Îles. Et on rappelle qu'après cette première demi-finale, eh bien, aura lieu l'autre demi-finale qui concerne la Réunion. La Réunion sera opposée à Madagascar. Et on peut le dire, mon cher Fred, obligation de résultat, obligation, un match demi-finale avec obligation de résultat. De toute façon, on le savait, hein, on le savait que on avait un gros morceau en demi-finale. Et voilà nos supporters Mahorais, là, on vous le disait tout à l'heure, ils mettent l'ambiance depuis la première mi-temps, ils sont heureux et on le voit, les supporters Mahorais, à fond, derrière leurs 2 équipes. Et on voit bien que c'est un groupe, et avec les équipes, le staff, le public, c'est bien que le handball prenne ces dimensions-là à Mayotte. Hein. Et on espère également eh bien, que dans la foulée des Mahorais, eh bien, que nos autres cousins de l'océan Indien, à savoir les Seychellois, les Malgaches, les Mauriciens, eh bien, prennent un peu également un peu de, bon, j'ai envie de dire de la verve des Mahorais, mais se remettre aussi à l'heure du handball ilien, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que les structures, la façon de travailler, la méthode n'est pas la même, mais bon, ça reste quand même dans l'océan Indien, mon cher Fred, un handball à 2 vitesses. Il y a La Réunion loin devant, et puis Mayotte et le reste après. Mais c'est sûr qu'avec la crise depuis 2008, hein, on a de plus en plus de problèmes pour aller mettre en place des formations, parce que tout ce qui est coopération régionale devient difficile, hein. Alors qu'ils en ont besoin. Et moi, je suis allé quelques fois, que ce soit à Maurice, que ce soit à Madagascar, que ce soit aux Seychelles, que ce soit à Mayotte. Il y a du handball, il y a des gens qui aiment le handball,
Mais souvent, ben, malheureusement, ben, ils ont très peu de moyens pour faire évoluer notre discipline. Et c'est à nous aussi, au travers de nos équipes de clubs, lors des finalités interrilles des clubs, CJSOI, ben, souvent on essaie de faire passer des messages, on essaie de mettre en place des formations. Et je crois que bon, ben, à Mayotte, ça s'est vérifié que ben, depuis que nos arbitres sont allés faire des formations, les entraîneurs sont allés faire des formations, ben, on a une implantation qui commence à être intéressante. Mais après, c'est vrai que ben, il faut aller travailler dans les écoles, il faut développer le handball chez les jeunes, des choses qui prennent du temps. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie. On espère en tout cas être... que les autres îles prendront le relais de Mayotte et de La Réunion, notamment pour qu'à l'avenir on puisse avoir peut-être un tournoi plus spectaculaire, plus relevé. Mais on va se replonger dans cette première demi-finale. Mayotte, Seychelles, on vous rappelle le score, 18 à 11 en faveur des Mahorais. Les Mahorais qui ont fait l'essentiel pour l'instant dans cette demi-finale, mais il reste encore 30 minutes à jouer et les Seychellois ont encore toutes leurs chances de renverser la tendance. Ben c'est sûr que l'entraîneur, il y croit, mais bon, on n'est pas dupes. Hein. On voit bien qu'il y a vraiment deux niveaux de jeu, hein, deux niveaux de jeu sur le terrain. Bon, Mayotte, on voit bien aussi qu'ils jouent tranquille, hein, ils jouent chez des combinaisons. Ils ont un rythme de jeu qui est un petit peu préservé pour ne pas se blesser, parce que pour eux, c'est demain le grand jour. Hein. Allez, ça va repartir dans cette seconde mi-temps entre Mayotte en bleu et les Seychellois en rouge. Et si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien sachez que pour l'instant, ce sont les Mahorais qui mènent cette première demi-finale du tournoi de handball masculin, 18 à 11, les Mahorais bien dans leur match. Même si on l'a entendu, eh bien leur entraîneur n'était pas tout à fait satisfait de la prestation. On a entraîné en tout cas très rigoureux. Ben oui, mais je crois qu'on en a besoin hein, à Mayotte d'entraîneurs rigoureux, parce qu'ils ont tendance, il faut le savoir, hein, à prendre un petit peu le handball comme un sport tranquille, alors que c'est un sport qui demande beaucoup d'exigences et beaucoup d'investissements. Et je crois que ben, Alic actuellement il est en train d'essayer de faire passer ce message dans son île. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi, il n'est pas qu'entraîneur de la sélection nationale, il est aussi ce qu'on appelle un conseiller technique fédéral. Ça veut dire qu'il a un rôle sur la formation de cadre, il a un rôle sur la détection des jeunes talents. Donc, je veux dire, lui, il a envie que ça avance. Et c'est normal qu'il élève son niveau d'exigence. Et ça repart dans cette demi-finale avec les Mahorais. Les Mahorais avec une tentative de passe à Babou qui a été contrée. Le grand Liadji avec Issoufou. Ali Miniadji, Issoufou. Ah, il n'a pas lâché suffisamment vite, assez vite en tout cas, son ballon. Mais c'était encore... une offensive bien menée, encore le grand numéro 2 là, et Babou dans un angle complètement fermé, mais il n'est pas allé au but avec Ali Miniadji, bonne défense des Seychellois et qui vont repartir en contre-attaque. Malheureusement, il s'est un peu emmêlé les pinceaux là, notre ami Seychellois, et le ballon en revient pour les Mahorais. Ça y est, les Seychellois sont de nouveau assistés. Issoufou encore une fois tout en percussion, en puissance, et il marque le numéro 12 Mahoré pour donner un but supplémentaire à Mayotte. Comme quoi hein, on peut faire et refaire la même feinte, le même 1 contre 1. La preuve quand on voit Daniel Narcisse faire son 1 contre 1 éternel, ben, ça passe toujours. Parce alors, il met de la volonté, il met il surprend son défenseur. Tout le monde sait que ça va se passer ainsi. Tout le monde sait que bon, il va l'enclencher, tout le monde dit allez, on va se préparer, mais à chaque fois ça passe. Et voilà, et voilà. Allez, un passage en force des Seychellois. Allez, des Seychellois qui ont un petit peu de mal dans ce début de seconde mi-temps. Surtout ne pas perdre l'envie qui les a
caractérisé en début de match. Même si les Vries ont dû prendre quand même un petit coup au moral et sur la tête à la fin de cette première mi-temps avec le numéro 13 qui tire fort sur la transversale. Encore une fois, il trouve des solutions facilement. Là, c'est la finition qui n'était pas bonne. Et c'est Chelois avec, oh là là, Michel Youpa, peut-être une grosse obstruction peut-être sur le grand derrière. Oui, mais bon, on le voit tellement venir, c'est facile de défendre chez lui, hein, parce qu'il prend son ballon, il court sur le défenseur. Attention, encore une faute, là, l'arbitre laisse jouer la règle de l'avantage et arrêt du gardien Maoré. Encore une fois, il fait une partie, ma foi, très très bonne, le gardien Mousslim. Voilà. Ah, sanction différée. Exactement. Encore une fois, le handball n'a plus de secret que Johnny. C'est ce qu'on appelle vraiment une sanction différée. C'est très très bien arbitré. On a laissé l'avantage, on a vu ce qui pouvait se passer. Et puis après, au prochain arrêt de jeu, on diffère la sanction. Ce qui est très bien. Ce qui montre bien aussi que nos arbitres ont une évolution aussi très intéressante au cours de ces matchs. Ah, parce que bien sûr, il y a le président de la CCA avant tout, hein, François Garcia, qui est là actuellement, et qui a fait des formations aussi pour tous les arbitres de la zone. Et on a profité de cette présence pour essayer d'améliorer les compétences de nos arbitres des îles de Saint-Indien. Et ça donne un coup franc pour les Seychellois à jouer avec Michel Youpa qui décale pour son ailier. Ah, c'était très bien fait encore une fois, un arrêt là de Mousslim. Ah, ils n'arrivent pas, décidément, ils ont du mal. En tout cas, il a eu du mal, en tout cas, notre ami Laure Leroy là. Presque un caviar là, il a reçu de la part de son coéquipier. Malheureusement, derrière, il y a encore ce diable de Assadila Mousslim qui réalise une parade magnifique. Et on retrouve le Maoré en attaque. Ali Miniadji. Ils sont à 5 contre 6. Miniadji, et bien sûr, dans ces situations-là, souvent, on voit des départs déliés. Là, c'était Bavou qui partait. Ben, il prend même la place de l'arrière. Cette pénétration, voilà, pour fixer la défense au 6 mètres. Mais très bonne défense des Seychellois. Seychellois, il va aller au but et encore, décidément, il est terrible ce gardien Maoré, encore une fois. Là, il a un marché signalé, mais décidément, il nous fait un festival dans ses buts. Mousslim, Assadila. Déjà que les Seychellois avaient un peu de mal dans cette partie, si en plus Mousslim nous réalise cette série, continue cette série d'arrêts, notamment aux 6 mètres, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Mais c'est sûr que si on enlève les arrêts du gardien, on aurait eu un score un peu différent, hein, parce que actuellement le gardien il est en... Cette fois-ci, Dev, bonne lame pour les Seychelles, a réussi à trouver la faille est marquée. Enfin, le 12e but seychellois. Ils ont mis quand même 5 bonnes minutes avant d'inscrire le premier but dans cette deuxième mi-temps. 19-12, le score en faveur des Maoris dans cette première demi-finale du tournoi de handball masculin. Les Maoris qu'on retrouve à l'attaque avec Liadj, Ali Miniadji, le capitaine. Bavou, Liadj, malheureusement, passe imprécise, ce sera une touche. Allez, peut-être un peu trop de... Allez, un peu confondu peut-être vitesse et précipitation sur cette action. Et c'est sûr qu'il y a eu un... Ah, voilà, très belle action. Très belle action, fin de passe et puis... Il se retrouve seul au but, face au but, et c'est un but. Voilà. C'est l'or qui marque pour les Seychellois entre les jambes de Mousslim. Ce qu'on appelle un but en or. Allez, côté Maoré, on apporte un peu de sang neuf à l'équipe en place puisque le numéro 4, Moussa Daniel, vient de remplacer Liadj, Ali Miniadji, Bavou en position d'arrière maintenant avec le nouveau rentrant et un bel arrêt du gardien Seychellois.
Ils s'accrochent, les Échinois. Ils s'accrochent. Parce qu'ils ne baissent pas les bras, ils défendent. Et c'est très bien parce que ça montre bien qu'ils ne sont pas venus faire du tourisme. Ils ont envie de faire le meilleur résultat possible dans cette compétition. Et le grand Michel Youpa qui a tendance à forcer un peu toutes ses tentatives là. Elle est arrivée. Eh bien, oh là là, attention, ça commence à glisser sur le terrain. On a vu un Maoré aller à la renverse, mais il s'est relevé. Plus de peur que de mal. Alimini Adji qui frappe, qui tire aux 9 mètres. Et ballon récupéré par Le Touffi. Voilà, très bonne intervention. Il y a un problème de terrain qui glisse. Voilà. C'est mieux comme ça. Même si on perd un petit peu de temps, mais au moins. Allez, peut-être profiter, mon cher Fred Valiamé, de ce temps mort. Rapidement, des nouvelles. Vous avez vu certainement les Réunionnais dans la journée. Comment vous les avez sentis avant la demi-finale à venir contre Madagascar? Disons que c'est, ils savent que c'est un passage obligé. Ils en sont conscients depuis le début. Hein. Et puis avec Fernand et Bertrand. Fernand Chancun et Bertrand Morville. Les voilà, les objectifs sont bien définis. Ils ont mis un projet de jeu en place, ils ont mis des objectifs en place. Et pour l'instant, ils sont sur la bonne voie. Hein. Après, comme je dis, toujours, un match reste un match. Et ce soir, ils ont intérêt vraiment à être meilleurs. Meilleur possible parce qu'en face on va avoir une équipe de Madagascar qui n'a plus rien à perdre et qui pourrait tenter par sa motivation d'essayer d'aller en finale. Hein. Le but de Bavou Mohamadi pour Mayotte. Belle incursion sur son aile. Il a trouvé la faille et il a trompé le gardien séchélois. Trevor Moustache, le score 20 à 13 maintenant pour les Maorés. Avec Michel Youpa, c'est bien passé, encore un arrêt, un bel arrêt de Mouslim. Voilà. La relance était mal engagée, Michel Youpa là qui est bloqué, littéralement bloqué par... Voilà, il joue vite, ça joue trop vite peut-être, j'ai 7 mètres, non, encore un coup franc pour les Séchélois qui ont... tendance à vouloir aller jouer peut-être trop vite là. Allez, on va suivre ce coup franc avec Michel Youpa qui monte pas, qui décale pour son ailier. Voilà, il y a la situation qui est créée, voilà. Dommage. Ah, dommage. Ah, il y a un 3 contre 2. C'est chez moi, c'est à cause de ça que je dis qu'ils jouent, ils commencent à bien jouer. Mais après, ben, il leur manque de la répétition. Hein. Il faut qu'ils continuent à travailler. Hein. Et ils sont sur la bonne voie, ils sont là parce qu'ils essaient de construire, de jouer dans les espaces vraiment où ils peuvent marquer des buts. Voilà, Bavou toujours égal à lui-même, qui se jette comme un jeune premier. Voilà. But refusé car pied en zone visiblement. Exactement, c'est exactement. Et c'est vrai ça. Que vous disiez Bavou, on l'a vu, hein, se battre malgré tout. Là il avait perdu un ballon, il est revenu, il s'est jeté à terre hein, comme J'ai dit comme un jeune premier parce que on sait que... Moi j'allais dire un mort de faim, mais bon c'est vrai que voilà. Jeune premier ça fait plus joli. Et Michel Youpa a pris dans les mailles du filet Maori, il a du mal hein, le grand arrière au Séchélois. Il a l'envergure, il a le physique, mais pour ce qui est du reste, bien l'efficacité, ça a du mal. Hein. Ben parce qu'il joue pour lui, alors que normalement il aurait dû avoir son équipe qui joue pour lui. Il devrait être à la finition des actions et non pas à l'origine des actions. Et là c'est bien fait. Décalage réussi pour voilà, le numéro voilà. 8, Laure, voilà. Qui marque un nouveau but pour Bonne Lame, pardon, qui marque un nouveau but pour les Maorés. Bavou voilà. Dans ses œuvres. Exactement. Il a vu plus vite que les défenseurs qui avaient un intervalle et il a pris avec ses qualités physiques et puis voilà. Calmement. Bah, le joueur professionnel, il sait où il faut mettre le ballon. C'est placé, pas placé. Forcément besoin de puissance. Voilà, exactement. Ça, ben, c'est tout le temps qu'il a passé sur les parcs de métropole qui permet aujourd'hui de réaliser ce type d'action. Je crois qu'il a joué à Paris, à Istres également. Oui. Il a écumé quelques clubs métropolitains avant de revenir
à Mayotte. Bavoula qui a vu la faille et tire sur l'arête des buts séchellois. Là, cette fois-ci, il avait mis la puissance. Hein. Autant tout à l'heure, il avait joué le final. Là, il a mis la puissance. L'ailier séchellois qui ne trouve pas encore. Encore un arrêt encore du gardien de but. Hein, mais... Il a touché, ouais. Il a touché le ballon. Hein. Allez, les Séchellois. Voilà, ils n'écartent pas assez le jeu. Ils veulent jouer tout de suite à l'intérieur. Voilà, là c'est intéressant. Il faut écarter le jeu. Voilà, on a le temps, on a le temps. Voilà. Ben, c'est un peu brouillon quand même tout ça, voilà. Un peu désordonné. Là, il va aller au but, le numéro 2. Voilà. Et c'est bien fait. Et c'est tant mieux. Il est allé, Michel Dugas, pour marquer. Souvent, quand ils gardent un peu le ballon, parce qu'il faut le dire, les Maoris, ils n'ont pas envie de trop défendre aussi, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire mal. Demain, ça sera autre chose, je pense. Hein. Mais chaque fois qu'ils ont gardé un peu le ballon en attaque, ils ont trouvé des solutions de but. Et se mettre à défendre maintenant les Séchellois. Le score 21 à 15. 6 buts d'avance pour les Maorés. Encore un bel arrêt de Trevor Moustache, le gardien Séchellois. Attention, ça arrive derrière. Attention, le décalage. Encore une fois pour Bonne Lame qui trouve la faille. En tout cas, l'ailier Séchellois, lui, il est dans une forme éblouissante. Il en est à son cinquième but personnel. Il devrait peut-être jouer un peu plus souvent. Sur lui, sur son côté droit, là, il se débarrasse de son vis-à-vis. Vous avez bien vu ce type de joueur, ils sont droitiers, ils jouent à droite. Ils ont des qualités au niveau des segments. Hein, quand on regarde, il a des grands segments, il arrive donc à ouvrir son angle de tir et de mettre en difficulté le gardien. Très bel arrêt, encore une fois, du gardien qui ramène le ballon sur le poteau. Et les Séchellois peut-être qui se remettent peu à peu là dans cette demi-finale. Ils sont revenus à 5 buts maintenant des Maorés. On les retrouve en position d'attaque. Encore pour Bonne Lame, encore une fois. Et cette fois-ci, Mousseline eh bien, a le dernier mot cette fois-ci. Parce qu'il a attaqué le ballon, il est sorti sur le tireur. Malheureusement, ils reprennent un but en montée de balle trop facilement. Un but signé Daniel Moussa pour Mayotte, le 22e pour les Maorés qui mènent maintenant 22 à 16. Départ d'ailier. Voilà, rotation d'arrière. C'est bien joué, dommage. C'était très bien joué, on voit que c'est ce qu'on appelle des mouvements répétés. Mais la finition a été défaillante, là. Manque de précision. Malheureusement, là. Oui, malheureusement. La relation était bonne. Et c'est dommage car quand ils arrivent à se créer, à trouver le décalage, eh bien soit ils touchent le poteau, soit ils tirent hors cadre, ou soit ils butent sur le gardien. Maoré Mousseline. Attention les Maorés, là c'était pas mal fait là avec l'arrière qui est bien monté malheureusement. Ouais, c'est un petit jeune là, qui est très puissant, qui je pense aura a des qualités pour aller jouer dans de bonnes équipes en métropole. Il s'appelle Ben Daniel, ce numéro 11, alors que le 2 Séchellois marque un nouveau but. Attention, peut-être côté Maoré, là, on a peut-être tendance à baisser un peu le rythme et la garde en même temps. Et Michel Dugas, lui, en a profité pour marquer un nouveau but pour les Séchellois. Le score maintenant 22 à 17. Ah, et là, eh bien, le Maoré s'est joué de son vis-à-vis, là. Un contre un parfait. Et derrière, but magnifique. Hop, il enrhume son vis-à-vis. Le gardien derrière est battu. C'est beau quand c'est bien fait. C'est très beau. But signé du numéro 6, Ali El Yamin pour les Maoris. Allez, décalage encore une fois, c'est bien réussi. Malheureusement, la finition encore. Eh bien, c'est pas terrible la finition, les Séchellois, mais ils parviennent quand même à. Oui, en plus, c'était une combinaison bien orchestrée. Hein. Il s'est retrouvé tout seul face au tireur.
face au grand cœur. Voilà, ça va dégager. Peut-être qu'il y aura un différé. Même pas. Voilà. Différé. 2 minutes. Voilà. Saturage, ce qu'on ne veut pas voir sur le terrain de handball. En fait, il faut relâcher donc voilà. Son vis-à-vis. Il ne l'a pas fait. La sanction tombe. Et 2 minutes pour Curtis Hester, le Seychellois. Et les Seychellois qui vont évoluer maintenant en infériorité numérique. Attention, Bavou qui a un peu glissé, qui a perdu ses appuis. Et c'est une touche pour les Saint-Paulois. Qu'allais-je dire pour les Seychellois. Ouais, c'est peut-être. Et un temps mort demandé par les Seychellois, si je ne m'abuse. Un temps mort pour les nouvelles consignes. On voit côté maoré, là, eh bien, on n'est toujours pas content. Allez, pour l'instant, on est côté Seychellois. On entend. On va écouter un peu David Filoé qui distille un peu ses consignes à ses joueurs. Johnny ? Oui, Pascal. Oui, juste pour vous dire, effectivement, alors que le match se poursuit, enfin, temps mort actuellement, la sélection de la Réunion, elle, est rentrée au vestiaire, là, depuis à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et de temps en temps, ils jettent un œil sur le tableau d'affichage, ils viennent voir, en laissant, comme le disait Fred, on les sent tranquilles, vraiment tranquilles, ils sont relâchés, ils discutent, ils reviennent, ils sortent, ils rentrent. Je pense qu'ils sont, alors, peut-être pas encore dans leur match, mais ils sont très sereins. Il n'y a vraiment pas de raison que ce soit autrement, Fred. Hein. Ah ben écoutez, ils se sont préparés, ils ont été sérieux dans leur préparation. Aujourd'hui, ben, c'est le résultat tant espéré qui est à un match près. Donc je pense qu'ils vont tout donner pour que, comme les filles, ils se retrouvent en finale demain. On espère, mais cette demi-finale sera à suivre tout à l'heure. Donc Réunion contre Madagascar. Nous, on se replonge dans cette première demi-finale. Dominé pour l'instant par Mayotte, 23 à 17. Après 46 minutes de jeu dans cette première demi-finale. Dans 15 minutes, il peut se passer encore beaucoup de choses, Fred Valéry. Beaucoup de choses encore. Oui, mais c'est surtout ce que les Maorés, je pense qu'ils vont accélérer quand il faudra accélérer. Mais là, pour l'instant, ben, ils jouent petite main, comme on dit. Hein. Ils jouent facile. La composition d'équipe aussi, on le voit. Hein. Alic profite pour faire jouer un peu ses remplaçants. Les gens qui ne jouent pas beaucoup. Oh, une belle action. Une très belle action. Terminée par le géant des Seychelles. Michel Youpa, l'ailier pouvait aller, mais l'ailier a choisi voilà, de jouer avec son arrière. Ah oui, c'est très bien vu. Souvent, ben, Costantini le disait, souvent, quand on se sent en difficulté dans le tir, autant trouver vraiment celui qui est dans les meilleures conditions de toi pour aller au but. Et la preuve, c'est ce qu'on a vu dans cette action. Très altruiste, en tout cas, le joueur Seychellois. Très, très altruiste. Et Michel Youpa, donc, marque le 18e but pour les Seychellois qui reviennent maintenant à 5 buts des Maorés. Et sur le banc Maoré, on voit l'entraîneur qui demande à ses joueurs eh bien, de rester concentrés, de rester groupés, solides en défense. Éviter un possible retour. Et encore une fois, heureusement qu'il est là, lui le gardien. Hein. Imperturbable et toujours là. Super barré là sur ce tir donc, de Michel Dugas. On va revoir ça. Il est magnifique, Muslim, dans les buts. Il est exceptionnel. C'est dynamique, explosif et d'une gentillesse aussi. On n'a pas compté le nombre d'arrêts, mais je pense qu'il a dépassé facilement la dizaine là, depuis le début de match. Et on retrouve l'IAD avec Bavou. Avec Daniel Legrand, numéro 11. Là, il est, lui aussi, il est très explosif. Iben Ben Daniel. Voilà, très haut, très puissant, bras levés vers le ciel, des garçons à suivre. Hein. Ah non, ça fait longtemps qu'on le connaît, je veux dire, c'était des gamins qu'on a vus jeunes. Moi j'ai eu la chance de faire des formations chez Mayotte, mais c'est des jeunes qui arrivent à maturité. Et je crois qu'ils ont tout pour, comme nous, continuer leur carrière dans les centres de formation, ou bien en métropole, parce que ben, ils ont tout ce qu'il faut.
Et Michel Youpa qui a buté encore sur ce diable de Mousseline alors qu'il avait les buts grands ouverts, hein, à 6 mètres, au 6 mètres, pardon. Voilà. Il faut dire aussi que le match est dans un très bel état d'esprit. Hein. On ne voit pas de gestes brutaux. Les joueurs se respectent. C'est aussi ça le handball. Hein. C'est pas... c'est un sport où il y a peut-être du contact assez viril, mais dans un esprit de fraternité, entre guillemets. Là, on l'a vu, il y a eu un contact vraiment pas méchant, involontaire, totalement involontaire, voilà, pas voilà. Pressé. Bon, on y suit quand même, on prend les précautions, on enlève les traces de sueur sur le terrain et on va reprendre, alors qu'on a vu, après le bel arrêt de Mousseline sur ce tir de Michel Youpa, et bien l'entraîneur Mahoré a tout simplement décidé eh bien, de reposer un peu son gardien fétiche. Et c'est le deuxième gardien donc, qui est entré sur le terrain. Il va lui aussi pouvoir discuter un peu de cette demi-finale. Et il commence très mal, notre ami Abdallah Selemani, puisqu'il prend un but donc, de numéro 12 séchélois. Il a très bien lu qu'il y avait un intervalle libre et puis il s'est engouffré. Et un tir très intelligent. Oh. Celui-là n'est pas mal non plus. Toujours signé par notre ami Ibn Ben Daniel, le fameux jeune plein de talent. Regardez ce tir costal, comme on les appelle. Exactement. Et surtout le coup de poignet qui fait remonter la balle au-delà de la tête du gardien. Qui est très beau quoi, parce que techniquement c'est difficile à le faire. Hein. C'était bien monté, bien fini, bon, bien conclu encore par le grand Michel Youpa qui s'est arraché là sur ce premier tir donc de son coéquipier repoussé par le gardien. Et regardez comment il s'arrache des mailles mahoraises pour aller marquer ce but. Ils sont encore là les Mahorais, ils sont encore là. Hein. Ben, comme l'a dit l'entraîneur, hein, ils vont jouer jusqu'à la fin du match. Et pour l'instant, ils se comportent honorablement. Ils sont à 5 buts des Mahorais. Il reste 10 minutes de jeu. On ne peut pas croire au Père Noël, mais Mayotte a intérêt d'assurer très vite le résultat. Hein. Son capitaine Ali Miniadji Salimou vient d'inscrire le 26e but. Il a tout compris, lui. 26 à 20 à 10 minutes de la fin de cette première demi-finale maintenant entre Mayotte et les Seychelles. Voilà, on a un 5 contre 5 sur un grand terrain. On va voir comment on... Et voilà, balle perdue. On s'enchaîne sur la montée. Et voilà. Bon retour quand même de la défense. Bon retour, voilà. Voilà. Ouais, c'est bien, il joue. Ce qu'on appelle généralement une faute utile, mais bon. Ouais. En tout cas, il a stoppé donc la contre-attaque mahoraise. Les Seychellois maintenant ont pu se regrouper en défense, se replacer. Et ça revient. Ali Miniadji en 1 contre 1 qui décale son ailier. Formidable, c'est bien fait encore. Ça joue très très bien côté mahorais sur certaines phases de jeu, Fred. C'est vraiment ordonné. C'est un petit peu ce que leur demande l'entraîneur, hein, de respecter le projet de jeu. Il y a des choses qu'ils ont travaillées. Et la preuve, hein, sur une action simple, dans une relation à deux, ils arrivent à mobiliser le deuxième défenseur qui permet au tireur d'être libéré pour aller marquer le but. C'est des actions, ce qu'on appelle les fondamentaux du handball. Très très important, les fondamentaux de handball, surtout les respecter. Avec Ali Miniadji. Et Jar qui est monté au 9 mètres. Ballon sur le poteau. Contre-attaque séchelloise avec. Ah, encore une fois. Oh là là, un but chanceux, mais c'est un but quand même signé Dev Bonlam pour les Seychellois. On va revoir ça. Ah, un peu malheureux notre deuxième gardien. Ben oui, hein, et là, on ne peut rien faire parce que c'est une balle qui vient de derrière. Il ne s'attend pas. Et puis, ben. Le temps de réaction est trop court. Et ça fait 27 à 21 pour les Mahorais. À maintenant, allez, un peu moins de 8 minutes de la fin de cette première demi-finale. Voilà. Les Seychellois qui tentent une contre-attaque, mais malheureusement,
passe trop longue et trop imprécise pour être efficace. Mais comme vous le disiez, mon cher Fred Valiamé, c'est vrai que les Seychellois n'ont pas l'habitude de cette répétition de matchs en une semaine. On rappelle quand même que lors de la première phase, ils ont disputé deux matchs contre les Réunionnais, qu'ils ont été à chaque fois battus, mais ça fait des matchs en plus. Et là, c'est leur troisième match qu'ils enchaînent. C'est peut-être le troisième de trop, mais c'est quand même une demi-finale à jouer. Et pour l'instant, on peut dire qu'ils font mieux que résister quand même, les Seychellois. Oui, surtout, ben, ils ne lâchent rien. Ils sont là en défense, ils s'accrochent. Et les occasions qu'ils ont, ils essaient de les mettre au fond, même s'ils n'ont pas beaucoup de réussite. Voilà, dommage. Voilà, ils récupèrent des ballons. Ils récupèrent des ballons et ça montre bien qu'ils sont encore concentrés sur leurs objectifs. Je pense que c'est de faire le meilleur résultat possible. Peut-être pas gagner forcément, mais sortir la tête haute de ce match. Allez, les Maoris, toujours à l'attaque avec le capitaine Ali Minyadji. Petit soldat. Soldat et Odjar là qui est allé au tir. C'est repoussé et derrière encore un bel arrêt de Trevor Moustache, le gardien Seychellois. Qui lui aussi a peut-être fait moins d'arrêts que Mousseline, mais il a fait le job, Trevor Moustache. Michel Youpa, tout en puissance, qui arrive, qui transperce la défense mahoraise pour marquer son sixième but personnel et le 22e, 21e ou 22e donc pour les Seychellois. Ah, ils se sont trompés là, je pense, à mon avis. Il y a un problème au niveau de la table, je pense que ça va être réglé. Le 22e but Seychellois, effectivement. Même si, voilà, c'est rectifié au tableau d'affichage. Alors encore un contre imparfait derrière l'arrêt de Trevor Moustache. Mais il avait encore bien percuté là Ali Aliamine. Il avait bien mis dans le vent l'arrière Maoré. Mais heureusement que derrière Moustache a fait l'arrêt qu'il fallait. Ah, ça encore, c'est très très bien fait ça entre Michel Dugas et son pivot. Voilà, 5 minutes, 4 buts. Hendrik Siméon qui marque le 23e but, Seychellois. Et Seychellois qui reviennent à 4 buts. À 4 buts des Maoris à 5 minutes de la fin. Ils n'ont peut-être pas dit leur dernier mot. Et alors, j'ai pas vu, mais il me semble que c'est de Mayotte. L'entraîneur Maoré qui a demandé ce temps mort afin. Joli, c'est simple. Oui. Quand tu as le ballon, tu peux poser un temps mort. Si tu n'as pas le ballon, tu ne peux pas poser de temps mort. Donc quand il y a un temps mort, c'est que Mayotte avait son temps, avait le ballon. Donc là, il a le droit de poser un temps mort. On va écouter peut-être l'entraîneur Maoré. Bon, on n'a pas tout compris, mais on imagine qu'il a demandé à ses joueurs, eh bien, il reste 5 minutes, là il faut aller encore mettre le paquet pour... Voilà, il a recentré son groupe, hein. Il a demandé aux joueurs de respecter les principes fondamentaux encore une fois, surtout en attaque, hein, où ils ont un petit peu de mal parfois à terminer les actions, donc je pense comme les Seychellois, il attend calmement le résultat, pour vraiment être dans la finale de demain. La finale de demain n'est pas encore tout à fait définie, alors que, en revanche, la finale féminine, elle, est connue. Ce sera Réunion contre Mayotte et ce sera à suivre en direct sur les antennes de Réunion Première, tout comme la finale masculine. Mais on reste dans cette fin de match, fin de demi-finale entre Mayotte et les Seychellois avec ce tir de l'arrière Maoré, contré par la défense. Et accompagné par le gardien de but pour éviter un jet de point.
Trevor Moustache de son nom. Allez, encore 4 minutes pour que les Seychellois terminent cette demi-finale de belle manière avec son numéro 10. C'est bien fait encore, une belle relation, faute ou pas, si une faute donc de l'arrière. Mais bon, là, ils arrivent quand même à se trouver des fois. Il y a de très bonnes attentions, voilà. Le jeu de la base arrière avec le pivot est très intéressant. Mais souvent, bah, le problème, c'est que soit il ne marque pas de but, soit au bout d'un moment, il y a un problème de réception, ce qui est dommage. Quoi. Coup franc pour les Seychellois. On va certainement jouer avec le grand Michel Youpa. Il monte, il tire et but. Magnifique. Il a feinté de monter. Il a laissé les défenseurs redescendre et il est remonté. C'est déjà très intéressant ce qu'il fait. Et oui, les Seychellois sont peut-être menés, mais pour l'instant, eh bien, le meilleur marqueur de cette demi-finale, c'est lui. C'est ce grand Seychellois, Michel Youpa, avec 7 buts inscrits pour l'instant. Mais ce sont bien les hommes en bleu, les Maorés, qui mènent cette demi-finale masculine à maintenant 3 minutes de la fin. Et encore un bel arrêt de Trevor Moustache. Et il termine fort, hein, cette demi-finale, les Seychellois. Voilà, on arrête le match car il y a un Seychellois qui a demandé à ce qu'on essuie un peu le ballon. Il reste 3 minutes. Et regardez, mon cher Fred Waliamé, le tableau d'affichage. Il y a seulement 3 buts d'écart. Les Seychellois ont refait une partie de leur retard. 3 buts en 3 minutes, c'est faisable, à condition de ne pas en prendre. Oui, c'est sûr que tout est possible dans ce match. Hein. Mais bon. Attention. Il faut revenir en défense, les Seychellois. Voilà, c'est revenu. Et ils ont stoppé l'offensive mauraise. Les Maorés qui vont partir, qui vont pouvoir repartir tranquillement. Préparer leur attaque. Avec leur capitaine, avec pas vous, 9 mètres, mais là aussi, trop enlevé ce tir de Loutoufi Mohammadi. Une bonne intention, mais bon. Attention, attention quand même, car. Bah, deux buts pour les Seychellois avec Michel Dugas qui était très bon également côté Seychellois dans cette demi-finale. Petit mais tonique arrière Seychellois. C'est lui là le numéro 2. Oui, qui lit bien le jeu et qui joue bien dans les intervalles. Il est malin comme un singe parce que. Voilà. Regardez encore, ça c'est bien fait avec le but. But pour les Seychellois d'Hendrik Siméon et les Seychellois qui reviennent, regardez, à 25-27, pardon, à 2 buts des Seychellois. Et on voit sur le banc maoré l'entraîneur là qui n'est pas du tout content de ses joueurs, qui apporte quelques changements. Il a fait sortir son capitaine et fait entrer le fameux numéro 2. Balki Liadji. Le voici, Balki Liadji, avec son pivot et ses buts. Voilà un changement qui a eu du bon, puisque eh bien Mayotte se donne un petit peu d'air en cette fin de match. Voilà, comme dirait un de tes confrères, maintenant les carottes sont cuites. Hein, et il est 28 à 25, il reste moins d'une minute. Bon, ce qu'il faut retenir de ce match surtout, c'est la bonne combativité des Seychellois qui n'ont rien lâché. Ah oui, jusqu'au et qui bout, continuent hein. Dommage que dans leur duel avec le gardien de but adverse, ils ont eu des difficultés. Hein. Sinon, ça aurait pu être un match différent. Hein. Et Michel Youpa là qui dans ses dernières secondes tente de redonner encore un petit peu de meilleure ampleur donc à leur score. Alors qu'il reste, voilà, on va arrêter le chrono. Il reste 13 secondes maintenant. 13 secondes et possession de ballon pour les Seychellois avec. Il a tenté le tir direct, a été contré. Ce sera corner pour les Seychellois. On va arrêter le temps. Il reste allez, 2 petites secondes. Que peuvent-ils faire en 2 secondes? Aller au but avec l'ailier. Encore un arrêt. Et c'est terminé pour cette première demi-finale du tournoi de handball masculin. Le score final, 28 à 25, victoire des Maorés qui se qualifient donc pour la
Grande finale de ce tournoi masculin. Contre qui? Eh bien, on le saura tout à l'heure. Ce sera peut-être la Réunion, peut-être Madagascar. Mais pour l'instant, eh bien, les Maoris, leurs supporters, savourent leur victoire. Mayotte en finale chez les filles et en finale chez les garçons. Bravo aux garçons, donc d'Ali Miniadji. Mais ça a été un peu compliqué à la fin pour les Maoris quand même. Hein. Ben, ils ont joué calmement. J'ai comme l'impression qu'ils avaient peur de se blesser. Parce que dans leur tête, c'est vraiment demain le jeu agit. Hein. Et c'est un peu compréhensif. Ça fait des années qu'ils attendent ces résultats. Ils ont pu le faire cette année. Et, bon. Donc. Demain sera un autre jour, hein. On verra peut-être une équipe de Mayotte vraiment différente, avec une envie un petit peu plus importante. Et c'est un peu logique aussi d'un autre côté. Hein. Seychelles, on le sait très bien, a joué le jeu. Elle s'est battue jusqu'à la dernière minute. C'est tout en son honneur. Mais au départ, quand on mettait dans la balance, on savait très bien qu'il y a une différence de niveau. 28-25, victoire donc des Maoris dans cette première demi-finale. Et une première réaction avec l'entraîneur Maoris. Il fulminait malgré qu'il menait à la mi-temps. Alors est-ce qu'il est maintenant un peu plus heureux à la fin du match? Ça m'étonnerait. Alors coach, un petit mot. On vous a vu, l'essentiel c'est la qualification pour la finale, mais je pense que la manière, ça vous a plu. Hein. Non, évidemment que non. La manière n'est pas vraiment là. Mais voilà, on est en finale. C'était un objectif, on l'a fait. Maintenant, bah, écoutez, on va se concentrer sur le match de demain. Comment vous allez l'aborder justement ce match de demain face aux Réunionnais? Non, mais il n'y a pas de secret, vous savez. Nous allons jouer contre les Réunionnais. Nous, on y va avec aucune pression. Aucune pression, pourquoi? Parce que la Réunion joue chez elle, ils ont la pression du public. Nous, on y va aucune pression parce que, de toute façon, les journaux, tout le monde donne favori la Réunion. Donc, nous, on va y arriver incognito, tranquillement. Mais c'est pas encore joué, hein. C'est pas encore joué. Il y a Réunion-Madagascar, il faut encore que la Réunion gagne son match juste après. Moi, j'espère que la Réunion va gagner parce que j'ai envie de jouer. Ah, si c'est révélateur. J'ai envie de jouer contre la Réunion, à la Réunion. Vous lancez un défi aux Réunions. Voilà, exactement. Merci. En tout cas, ça a le mérite d'être clair. Il a envie de jouer une finale contre la Réunion. Le coach Ayouba Ali Karine, donc coach de Mayotte. Mayotte qui vient de remporter cette première demi-finale du tournoi masculin. La pause photo pour les vainqueurs avant. Une deuxième réaction, celle de l'entraîneur séchellois, de l'entraîneur adjoint. Allez-y Pascal. Vous m'entendez? Oui, voilà. Allez-y. On y va donc avec l'entraîneur adjoint de l'équipe de Seychelles. Vous n'êtes pas passé très loin hein, finalement, et vous avez manqué peu de choses, des regrets sur ce match-là. Oui, le match même c'est vraiment intéressant. Je remercie le Mayotte qui était là et bonne chance à la finale. Mais pour nous, on a raté tout mon coup de but. Rater un peu de but, c'est ça le faute qu'il nous fait. Alors justement, c'est un tournoi qui permet à l'équipe d'apprendre. Vous allez maintenant jouer pour une troisième place, pour une médaille de bronze. Vous retenez quand même, satisfait quand même de l'ensemble du tournoi? Oui, pour nous, ça va une troisième place. Si nous gagnons, ça va pour nous. Mais comme Malgache, nous, c'est difficile. Alors, nous allons jouer nous mieux, pour, comme aujourd'hui, peut-être un peu plus, pour avoir un peu de résultat, peut-être troisième place. Vous êtes tombé aussi sur un gardien maori, on est grâce, il a quand même fait pas mal d'arrêts, qui vous a un peu coupé les jambes. Oui, c'est ça, je veux dire. Au moment des tirs, les gars ne voient pas comment ils bougent. Avant de regarder un peu votre tir, mais là, il est un bon gardien seulement. Ça va. Merci et bravo. Voilà, très bon gardien en tout cas, très fair play également l'entraîneur séchellois. Il loue en tout cas la bonne prestation de son équipe. On rappelle le score, hein, 28-25. On a envie de dire presque seulement 28-25. Bon, victoire de Maoris. Est-ce qu'on a le temps d'une dernière réaction peut-être avec le capitaine Maoris? Pas encore, sinon on va tourner. Eh bien, après le handball, eh bien, on va aller sur d'autres sites de compétition et on va se retrouver ici même au gymnase Daniel Narcisse pour la deuxième demi-finale du tournoi masculin. Ce sera tout à l'heure Réunion contre Madagascar. Ça s'annonce, mon cher Fred, quand même assez plaisant. Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure donc, pour Réunion-Madagascar.